qui était oui, faire des sens, c'est une certaine nervosité à sortir, à ressentir. Ça se passe bien, je vous tenir en commun l'union populaire contre les puissances de l'argent. L'union, c'est ici et maintenant. L'union populaire, la résistance à la victoire. Le peuple reprend le pouvoir. Ok. On a déjà gagné, putain! Mais on a déjà gagné, regarde ce qu'on a fait pendant 6 mois là. Xavier reste tranquille. Ouais, reste tranquille. Oui, bah moi j'ai fait On a fait quelque chose là, on est recherché par la police. Vous savez là, on a fait quoi là? On ne saura même pas. Sophie, arrête de passer. Ah voilà quand même. Est-ce que vous m'entendez bien? Et on inspire par le nez, on souffle par la bouche. On respire avec le ventre. Si on s'écartait un peu quand on fait du yoga. Oh, mais c'est horrible. Trouver la pression. Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et
Attends, attends, ils l'ont mis en troisième parce qu'ils savent pas. Il a con. Putain, 20. Il faut donner de l'espoir, les amis, on a fait 20% passé, c'est sûr, on n'a pas encore le résultat par ailleurs. On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Putain! Il arrive, c'est génial, on a fait un mois qu'il a fait. Merde, regardez ce qu'on a fait depuis 6 mois là! Oh putain, on va trop taper 5 ans! Ah putain, je peux pas, j'ai tout fait. Voyez ça. Ok. Bonjour. Salut. On va tenir, on va tenir. On va tenir, d'accord. On va tenir, on va tenir. Il faut qu'on tienne, ok. Il faut qu'on tienne. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Il devait avoir du nom comme ça. C'est comme on l'a fait, 20%, on l'a fait. Ok ? Regarde tous ces jeunes de 18 piges qui ont été votés aujourd'hui. C'est ça ? C'est la graine qui a été plantée. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Moi, j'ai jamais eu ça. Je suis trop petit en 80, j'ai jamais eu ça. C'est ça qui est important. C'est vous qui êtes important. Ok ? On l'a fait. Il y a 20, il nous a tapé. Sur le terrain, les militants. C'est vous le relais, ok? 20% c'est énorme, ce que vous avez fait est énorme, d'accord? C'est énorme. Il y a deux ans, personne n'aurait cru à ça. Il y a deux ans, on aurait même signé pour ça, ok? Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut monter un pont haut. On est fiers de ce qu'on a fait, d'accord? Lâche pas, lâche pas. On ne va pas changer d'institution, on ne va pas pouvoir lutter pour la planète, tout ça. C'est un crève-cœur parce qu'on est la même merde pendant 50 plus. Je me mets à lutter en musique et en chanson contre tout ce en quoi je ne crois pas et pour tout ce en quoi je crois. C'est-à-dire un avenir social, féministe, solidaire. C'est à nous, là, notre combat qu'on a mené pendant plus d'un an. Il est 20h05, chacun dans son temps. Un énorme rassemblement, notamment autour du Parlement de l'Union Populaire, vous regardez, qui est là aujourd'hui, ce soir, avec tout un tas de personnalités, des luttes, de la culture, des pensées, de l'université. Et ça, vraiment, c'est quelque chose pour la suite qui est extrêmement important. Ce que nous savons aussi, c'est que nous avons des votes très forts dans les quartiers populaires, avec les jeunes, et on l'a vu dans la campagne que nous avons faite, nous sommes les seuls à avoir fait 400 réunions publiques, à avoir eu jusqu'à 100 000 personnes dans la marche voilà, place de la République. Personne n'a fait une campagne comme nous l'avons fait. Autant, nous avons, je pense, politisé tout un tas de gens. Ce qui compte maintenant, c'est la suite. C'est ce que nous allons construire à partir de ce que nous avons fait ces dernières semaines. Voilà, voilà ce que j'ai envie de retenir ce soir. Mais attention, on voit que vous êtes au-dessus, visiblement, sur les premières estimations de 20% dans les sondages. Bien, bien, bien devant les autres candidats à de gauche. Cela montre que vous êtes là, force de gauche, actuellement dans le pays. Tout à fait, nous sommes le pôle de rassemblement que nous avons construit à travers ce Parlement de l'Union Populaire et aussi avec tous les militants, les élus de la France Insoumise et beaucoup plus largement, nous avons prouvé que nous sommes capables de faire cette ouverture, ce rassemblement ces derniers mois. Ça se voit dans le nombre de personnes qui sont dans nos politiques, mais aussi, vous avez vu tous ces soutiens qui pleuvaient ces dernières semaines, ces derniers jours, des personnes qui disent « moi, j'ai jamais voté Mélenchon, maintenant je vote Mélenchon, je suis convaincue, je vote à gauche alors qu'avant je ne votais pas ». Voilà ce que nous avons ces dernières semaines, je vous assure, la suite elle sera avec nous, elle va d'abord suite avant les législatives. Voilà. Alors on attend d'avoir les résultats définitifs, mais évidemment c'est les législatives derrière, et nous pouvons à la fois battre le Pen et battre Macron en législatives, nous pouvons être une grande force qui pèse dans l'Assemblée nationale, qui permet de résister, qui permet de l'emporter sur un certain nombre de voix. Vous savez que Macron, c'est la retraite à 60 ans, au moins. Nous sommes la seule force qui peut arriver au pouvoir et qui dit retraite à 60 ans. Nous voulons un vrai projet social, une vraie augmentation du pouvoir d'achat, c'est la première fois que j'essaie de changer. Et nous allons prouver que nous sommes là pour être capables d'amener à cette augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi à la désignation et en tout cas, oui, ça va se construire. Je pense qu'on a aussi donné tellement de mal. On a vraiment. Du côté de Yannick Jadot ce soir, Yannick Jadot, même 2017, c'est comme ça. Vous le voyez toujours, ces résultats.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Bruno Gassio, une nouvelle fois raté encore à ça, c'est pas rageant en force. On fait partie d'un mouvement qui travaille sur le temps long. Ça aurait été mieux de gagner maintenant. Mais ce qui est créé aujourd'hui est quand même assez exceptionnel. Il y a trois forces politiques dans ce pays et on fait partie des trois. Tous les autres sont en dessous de cinq, donc c'est résiduel. Donc, c'est triste de ne pas être au deuxième tour, c'est triste de ne pas pouvoir porter l'écologie, le social, tout ce qu'on voulait porter. Ça, c'est emmerdant. Ce qui est né ne crèvera pas. 14 propositions, 43 livres répondus, 10 plans. Tout ça, c'est du travail. Les gens qui ont fait le job ici, c'est des gens extraordinaires. Ils ont 20, 25 ans. La relève est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Même si les autres ne veulent pas, on est là. Et donc, on ne lâchera pas l'affaire. Il y a des législatives qui arrivent. Il faut se mettre au travail pour qu'il y ait des députés qui fassent le job comme l'ont fait les autres, les 17 qui ont fait un job pendant 5 ans. Extraordinaire. Eh bien, il faut que ça continue. Et encore une fois, nous, on est du temps long. On n'est pas du temps court. Notre vision est la bonne. Notre projet est le bon. C'est pas l'autre avec son projet qui est le bon. C'est nous qui sommes dans le vrai. L'écologie, le social, la bifurcation, tout ça, c'est nous. Donc, on va continuer à le porter et ça finira bien par passer un jour. Et on peut espérer une force parlementaire très importante. Je l'espère. Je l'espère. Il y a ici plein de gens qui vont se présenter ou se représenter. La dynamique va continuer. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ce qui m'a étonné pendant les résultats, on a eu les résultats un quart d'heure avant, en fait, tout le monde était triste, mais combatif. Rien n'est fini. Rien n'est fini. C'est pas le commencement de quelque chose, ça a commencé il y a 5 ans. On a fait 19, cette fois on fait 20, un peu plus. Bon, il y a trois forces dans ce pays. Il faudra bien que la nôtre passe devant un jour ou l'autre. Et on est un certain nombre à vouloir se battre pour ça. Je crois même qu'ici, tout le monde est prêt à se battre pour ça. Et on ira aux législatives et ça continuera après. Ça s'arrête pas, c'est le début de quelque chose. Par contre, pour d'autres, il va falloir qu'ils s'interrogent parce que c'est vraiment une fin. Nous en tirerons. C'est l'échec du Lyon de la gauche aussi aujourd'hui. Si tout le monde s'était rallié, comme beaucoup en ont appelé autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour faire un véritable front commun de gauche face à ce qui se profile, mais on l'a ce fait serait passé. Ça. Oui, mais il manque les écologistes, il manque les communistes, non, il manque les socialistes, il manque ces points qui auraient suffi à mettre Jean-Luc Mélenchon devant. Eh bien moi je crois pas ça. S'il y avait eu un vrai élan communiste, comme on l'a imaginé, il ne serait pas à 3. S'il y avait eu un grand élan écologiste, il partait de 13 aux européennes, en croyant que c'était le même type d'élection. Il n'a pas compris que ce n'était pas la même chose du tout comme élection. Il est à 4. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais beaucoup disent 20, plus 3, plus 4. Bien sûr, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On le sait bien. Si ça marchait comme ça, ça serait tellement facile. On additionne et ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Et la preuve que Mélenchon avait raison, pour le coup, sa stratégie, elle est la bonne. Par la base, l'Union populaire, on retrouve 20%, probablement un peu plus à l'arrivée. Oui, on avait raison. L'Union, par la base, ça fonctionne. On est très nombreux à être dans le Parlement de l'Union populaire, à être très différents. Émeric Caron et moi, on n'a pas grand-chose à voir, on mange de la viande. Moi, je mange de la viande, pas lui. Mais on a une idée de ce qu'est le respect de l'humain et du vivant. Donc tout ça, ça nous unit. Ce qui nous unit, c'est un programme. Ça, on ne va pas le démonter, le programme, on va le continuer. Donc, malheureusement, vous allez nous avoir sur le dos pendant les 5 ans. On sera dans l'Assemblée, on sera dans la rue, on sera dans toutes les luttes pour que l'écologie, le social et la règle verte et toutes ces choses arrivent un jour à être premières.
Mais on va y arriver, un jour. Et l'union fera la force, plus que jamais. L'union de la base populaire fera la force, oui. Merci beaucoup. De rien. Sur la soirée, bon, il y a du fruit, il y a du fruit. Il y a du fruit. Vive la France et surtout, vive la République. Si j'avais qu'à début, j'avais pas mon sentiment. Moi, je suis un mec de la rue, tu sais bien, donc... Je pense que de toute façon la rue, il fallait qu'elle continue, même si Mélenchon était élu. Moi je pense que la tortue s'agace. En fait, tout le monde pense que la tortue elle montait jusqu'à là aujourd'hui là. Mais non, ça continue. La course elle n'est pas finie aujourd'hui. Elle n'est pas finie. Je pense que ça va se régler dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà. Et puis, moi je suis content parce que c'est là, les 20%, c'est la gauche populaire. La vraie gauche. Le PS, les écolos de Jadot, la gauche bobo. Là, c'est 20% de gauche populaire, sans Roussel, sans Jadot, sans le NPA, sans lutte ouvrière. Moi, j'ai un sentiment de victoire. On a réussi à faire passer des idées, c'est ça le plus important. On ne change pas une société si dans la tête, ça bouge pas. Et là, on a réussi à faire bouger. Putain, mais tu vois pas le boulot qu'on a fait depuis 6 mois. Les gens, ils ont lu le programme et tout. C'est pas en 3 mois que la société, elle change. Mais est-ce qu'il n'y a pas de ta part ou pas, de la part de certains gens de l'Union populaire, une déception de dire que finalement, si les communistes avaient été avec nous, ce serait passé. Si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. On aurait pu gagner, on aurait pu... Peu importe, il y a 20,2%, il y a 3%, c'est 3%. Et moi j'ai toujours refusé le vote utile, tout ça. Les gens sont assez grands. Et même si Roussel il dit voter pour, les gens sont assez intelligents. D'ailleurs, tu vois le résultat de Roussel, tu vois le résultat de Jadot, ça veut dire que les gens se sont quand même reportés sur Mélenchon. Quoi qu'il arrive, c'est des gens qui n'auraient pas voté pour lui. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie d'en vouloir à personne. J'ai pas envie d'en vouloir à personne. Maintenant, le combat, il continue. La tortue, elle a pas fini. L'arrivée, ça n'était pas ce soir. Et pourquoi pas un parlement très fort pour l'Union populaire dans quelques semaines. Moi, je pense qu'un changement de société ne peut pas venir sans l'assemblage d'un homme au pouvoir ou d'une Union populaire au pouvoir et aussi de la rue qui pousse. Les deux ne sont pas sont incompatibles. Tu vois par exemple Mitterrand en 81, tout le monde l'a élu en pensant que ça y est, c'était fait, il allait tout faire. Non, il aurait fallu des gens dans la rue pour pousser, pour faire passer les idées. Si le mec il a une loi contre les riches, contre les puissants, et qu'il n'y a pas 2, 3, 4 millions de personnes dans la rue pour qu'il puisse dire « Eh oh !» Moi, je suis obligé de faire passer parce que là, il y a 4 millions de personnes qui poussent derrière. Et pour leur faire peur, les deux, il faut les deux. Une élection et aussi la rue. Et ben, si l'élection n'a pas marché, ce sera peut-être la rue. J'en sais rien. Moi, ça fait des années que je milite. Moi, je suis pas détruit ce soir. Voilà, je me dis, bon... C'est encore une marche de raté, mais il y en a encore plein, l'escalier, il y a encore plein de marches à monter. La tortue n'a pas fini de progresser. L'arrivée de la tortue, ça n'était pas ce soir. C'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. La tortue n'a pas fini sa course. Merci beaucoup. De rien. Merci. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs.
candidat des femmes du monde Aurélie Trouvé. Si je n'étais pas rentré dans le Parlement de l'Union populaire, je n'aurais pas rencontré cette femme formidable. Elle est quand même avec moi. D'exaspération et le sentiment d'être entré
dans un état d'urgence écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Ce que
Je me préparais à faire ce que je croyais immédiatement à portée de main. Les belles équipes dont nous disposons et qui étaient prêtes à se déployer pour assumer toutes les tâches qu'il y avait à assumer. Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher, je suis comme vous, entre les deux, comment se cacher aussi la fierté du travail accompli. Le Je ne connais que mon devoir et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. Oui. Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre. Ici est la force. Nous avons une stratégie. Nous avons un programme. Nous avons devant nous notre élection. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. C'est mieux. Après la longue, c'est fatigant. Attends, t'es venu d'Italie, ça va ? Bah, je suis dégoûté. Pays de con. Ouais, pays de con. Ils ont pas encore eu assez mal. C'est malheureux pour le pays, ça, c'est sûr. C'est malheureux. Oh, Nelly ! Allez, je peux pas consoler tout le monde. J'ai même pas pris je sais, je sais, je sais, mais je... Et tu sais que je me rappelle exactement il y a 5 ans, tu pleurais comme ça et je te consolais pareil. On a gagné! On a gagné! Mais c'est hyper beau. J'ai le manteau d'Aurélie trouvé si vous la voyez. Aurélie, on n'arrive jamais à la trouver. T'as vu du rêve? Sous-titrage Société Radio-Canada.
Attendez, la caméra est juste là. C'est une double. À gauche, c'est non, ça. Mais pour travailler, surtout il faut que cette France elle reste unie, rassemblée. Parce qu'il y a trois pôles, c'est ça qu'on voit ce soir en France. L'extrême droite, Emmanuel Macron, et nous, on est troisième, je le regrette, mais on est là. Et on peut y arriver. Ça va être compliqué de reprendre le flambeau après Jean-Claude Mélenchon. On va en discuter, il y a une force qui est là, il y a des chances sociales et même électorales. Évidemment, il faut même aborder les élections législatives. Déjà, je devance les choses, mais avec l'esprit vainqueur. C'est ce que Manon Aubry nous disait, est-ce qu'il faut fédérer à gauche, en fait, et continuer à appeler les autres à... Il faut continuer à garder cette force, cette force. Parce que les autres, pardon, aujourd'hui, on l'a vu, mais tous ceux qui ont envie d'engager une discussion, ils sont les bienvenus. Hein. Moi, je veux dire, je ne fais pas la liste, mais je l'oublie pas, de ceux qui ont consacré beaucoup d'énergie à un état pétu. Mobilisés qui clairement n'étaient pas convaincus à l'idée d'aller voter et qui ont choisi de faire. L'espoir pour elles sont où ces voix alors? Toutes voix qui restaient, accès au second tour, elles sont chez les candidats de gauche qui auraient pu vous voyer. En tout cas, on sait que certains avaient fait le choix d'une candidature cette fois qui était avec nous les autres fois. On va pas faire de dessin, mais si on est à 21h30, 22, et là maintenant plus de 22, en moins d'un point de Marine Le Pen et qu'on a. Le candidat qui était à mes côtés en 2017, qui était en 2018, voilà, il nous a fait ça notamment. Mais moi ce que je veux dire, parce que bon, de toute façon, ça, on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire normalement, c'est qu'aujourd'hui, des femmes et des hommes ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote, sont allés voter. Et la pente des événements fait qu'on aura besoin de nous pour la suite, donc on reste groupés. J'allais vous demander, législative, est-ce qu'il va falloir fédérer autour de vous? Il y a un appel qui est peut-être lancé aux autres partis de gauche pour peser. Une chose est claire ce soir, c'est que ce bloc populaire qu'on a constitué, il est là, il est fort. Et bien évidemment que les gens pourront compter sur nous dans toutes les prochaines étapes, y compris la session. Merci beaucoup, Populaire, une dent populaire, une dent populaire, une dent populaire.
Jean-Luc, 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 J
entre deux ambiances. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il est minuit et demi quasiment. C'est assez simple, c'est qu'au fur et à mesure de la soirée, les estimations se resserrent entre nous et Mme Le Pen. Voilà, moi je pensais que ça se jouerait un cheveu, ça va se jouer un cheveu. A priori, dans le mauvais sens, mais c'est plus du tout sûr au moment où je vous parle. C'est un peu ça l'ambiance. La suite, c'est quoi là, concrètement? Les résultats réels, parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que jusqu'à maintenant, on était dans des estimations. Et là, les résultats réels tombent. Et les résultats réels des grandes villes et des villes populaires sont très fortement pour nous. Et donc, on est en train de rattraper notre retard par rapport à Marine Le Pen. Toute la question, c'est de savoir si ce sera suffisant ou pas. Je vous dis que là, pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a une heure, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit c'est plié. Voilà, là, je vous dis, il y a une incertitude. Hein ? C'est plié dans quel sens, vous m'auriez dit ? Il y a une heure, les résultats étaient pliés en notre défaveur. Là, maintenant, il y a une incertitude. Voilà. Mais dans tous les cas, quel que soit ce qui arrive, il y a trois pôles aujourd'hui dans ce pays. Pôle d'extrême droite, pôle néolibéral, le pôle populaire. Et moi, je suis assez sûr qu'à court ou moyen terme, ça nous prépare des victoires. On a dû vous poser la question 15 fois, mais si la gauche avait été plus unie, vous savez largement... Écoutez, vous avez fait vos calculs vous-même. Hein. Si à l'arrivée, il nous manque moins d'un point, il y en a qui ont obtenu des résultats qui nous permettaient largement de l'avoir et qui étaient avec nous en 2017. Bon, voilà. C'est à eux qu'il faut poser la question maintenant. Si le résultat n'est pas votre faveur finalement et que le choix de Macron soit élu avec le prochain, comment vous allez poser ça? Ça sera dans la rue? Non, mais aussi dans la rue, puisque je vous ferai remarquer qu'il y a des législatives bientôt. Voilà, là par exemple, je vous parle, ma circonscription, on est élu au premier tour. Je pense que c'est pas la seule et qu'on va avoir beaucoup plus de députés. Voilà, et que à partir de là, c'est une bataille qui commence. On a une idée de l'heure à laquelle ça va se décompter là, hein? Je crois que les résultats sont donnés vers 2h, je crois. Ça fait une belle photo là. Bon, il est presque 1h du matin, le match est pas fini, vous y croyez encore? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On verra la surprise au réveil ou pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, on partira pas sur des larmes, mais plutôt sur de la joie et sur de l'espérance pour les années à suivre. Et en tout cas, on va se battre jusqu'au bout. À l'heure actuelle, vous êtes plutôt perdant dans les scores, mais dans l'humeur, vous êtes plutôt heureux de cette soirée? C'est ça. Moi j'ai une pensée pour tous les électeurs qui ont choisi Yannick Jadot, Fabien Roussel ou Anne Hidalgo. C'est dommage, c'est un remake de 2017, mais on aurait pu balayer Marine Le Pen dès le second tour. Et peut-être au second tour, ouais, c'est un regret, vous dites... On l'a crié, on l'a dit, on l'a répété, mais malheureusement je pense que dans cette partie-là de la gauche, ce qui est plus important c'est l'ego que le projet, la vision. C'est tout, c'est un choix qu'ils ont fait, ils l'assumeront. Hein. Tout à l'heure, les gens criaient à la vraie gauche, c'est nous? Je pense, oui. C'est-à-dire? On reste encore dans des caricatures. Des caricatures. Extrême gauche, communiste, etc. Mais au final, ce qui compte, c'est le projet, c'est le programme. Et je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon, de l'Union Populaire, était le programme le plus abouti et le plus salué par toutes les associations qui, depuis des années, se battent pour ces sujets, quoi. Ce soir, vous êtes en colère, vous êtes amer, vous êtes... C'est quoi votre sentiment? Là, je suis joyeux. Peut-être qu'on va gagner, enfin qu'on va passer au second tour, ou peut-être pas. Mais il y a quand même un petit peu de frustration. Bon, il est presque 1h du matin, là, et le match n'est pas encore fini. C'est quoi votre sentiment, là, sur la soirée? C'est un peu mi-figue, mi-raisin, pour reprendre une belle expression française. On est déçu parce que apparemment on n'est pas encore au second tour, mais on est quand même content parce que c'est une démonstration de force qu'on a fait. Il faut quand même se rendre compte du résultat qu'on a fait aujourd'hui. On est à plus de 20% des voix, des suffrages exprimés en France pour quelqu'un qu'on disait que c'était un dictateur en puissance, quelqu'un qui crie fort, qui insulte tout le monde. Enfin, on a fait tout le monde, hein, la droite comme la gauche, comme l'extrême droite et comme le centre, tout le monde a fait campagne contre Jean-Luc Mélenchon et il réussit quand même à faire plus de 20% des scores. Ça montre aussi qu'on a une cause à défendre et qu'on est là pour la défendre et qu'on continuera à le faire. Et si aujourd'hui on est là encore, à 1h du matin, alors que pour le temps on n'aura pas encore les résultats, hein, c'est parce qu'on a des choses à montrer et on montre que on a une cause. Vous avez encore un peu d'espoir là sous les résultats? Bon, on essaie d'avoir un peu d'espoir, mais on va quand même être honnête. Si on n'est pas au second tour, on n'y sera pas de
pas beaucoup. Si on y est, c'est quelque chose d'historique, quelque chose de mémorable et à tous falloir s'en souvenir. Mais disons qu'on a plus de chances de ne pas y être que d'y être, quand même. Vous voyez les scores d'Hidalgo, de Roussel, vous dites pas, c'est vraiment passé à un cheveu et si la gauche avait été unie, vous seriez largement devant. Bon, Hidalgo, on le sentait arriver, Roussel, ça fait mal au cœur. Surtout quand on écoute son discours, quand il reçoit les résultats et qu'il se dit fier du résultat qu'il a fait. Enfin, il est fier d'avoir fait perdre la gauche, il est fier qu'on n'ait pas de débat social, qu'on n'ait pas de débat climatique, qu'on n'ait pas tous ces débats-là au second tour. Enfin, j'aurais plus honte que de la fierté si j'étais lui. Il nous a enlevé 2-3%, sauf que si on n'est pas au second tour, ça va se jouer à moins d'1%. Si la moitié des personnes qui avaient voté Roussel avaient voté Jean-Luc Mélenchon, on serait face à Emmanuel Macron et on aurait pu imposer un débat de gauche. Alors que là, on va encore entendre les immigrés, les musulmans, les arabes, les noirs, tous ces trucs-là. On en a marre de ces sujets-là. Et c'est encore une fois, on est là pour montrer ça. Si aujourd'hui, même Jadot, on n'en parle pas beaucoup, mais Jadot, qui est content d'avoir fait son score, il est content de ne pas rembourser sa campagne. Enfin, ça vous fait rire, mais il est content de ne pas avoir remboursé sa campagne. Il est content de ne pas montrer... Et pourtant, c'est l'écologie. Pourtant, c'est l'écologie. Là, on a un rapport du GIEC. On a 3 ans pour agir et lui, il est content de faire 4%. Il faut quand même qu'on s'en rende compte. C'est ridicule. C'est quoi votre sentiment? Vous êtes en colère? Vous êtes quand même un peu heureux du score qui est honorable? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a de la colère, mais on est quand même content. Voilà, ils sont en train de chanter derrière, c'est joyeux. Mais voilà, le point levé. On est là. Les 5 prochaines années, vous êtes optimiste? Mais même pour demain, on est optimiste. Pour demain, après-demain, les législatives qui arrivent dans quelques mois. Et puis à chaque élection, on va être optimiste. Là, on a une progression. Si on regarde juste le score de Jean-Luc Mélenchon, c'était 12% en 2012, c'était 19% en 2017, maintenant c'est plus de 20%. On est à 0,4% de Marine. 0,4% de Marine, voilà. Et on revient sur Roussel qui est content d'avoir fait 2,7%. Voilà. Il est un peu pas coupable, mais vous lui en voulez? C'est pas... Non, enfin, il est un peu coupable de notre défaite. Roussel. Mais tout le monde lui en veut, mais ce qui est encore plus regrettable, c'est que dans les cadres du Parti communiste, ils pensent que les insoumis vont rejoindre le PCF. Mais non, on ne rejoindra jamais le PCF. Quand on dit hashtag jamais PS, mais il y a aussi le hashtag jamais PCF à côté. Jamais on rejoindra des partis qui nous ont trahis. Là, ils ont trahi toute la gauche. Et il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est toute la gauche. Eux, ils ne foncent même pas 5%. Nous, on fait plus de 20%. La gauche, elle est chez nous. Elle n'est pas chez eux. On vous sent en colère ce soir, notamment contre Fabien Roussel, vous perdez du coup de peu? Alors c'est pas en colère, d'abord je suis déçue. Je viens de tenir, on est plein à s'être mobilisés depuis des années, mais vraiment des années. Et là on est juste triste, faut que vous entendiez ça, on est triste parce qu'on y croyait. Moi il y a encore 4 heures, je pensais vraiment qu'on serait au premier tour. Et juste vous dire une chose, j'étais dans un bureau de vote, où j'étais assesseur principal, où entre M. Macron et M. Mélenchon, sur un bureau de 910 votants, il y a 20 voix de différence. 20 voix. Et aussi, vous ramenez ça au niveau national, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Et on est devant Mme Le Pen. Et je suis à Fontenay-aux-Roses. Et à Fontenay-aux-Roses, dans la plupart des bureaux, le premier, c'est Macron, le deuxième, c'est Mélenchon. Et on avait un taux de participation de 85%. Heureusement, au plan national, c'est pas ce qui s'est joué. Vous êtes déçu, j'imagine, de ce score. Mais bien sûr que je suis déçu. Mais on est tous déçus. Mais j'en veux pas. Alors par contre, j'en veux pas aux insoumis, parce qu'on s'est donné à fond. Il faut que vous entendiez ça. J'en veux pas à Jean-Luc, parce qu'il s'est donné à fond. J'en veux à Roussel. J'en veux à Hidalgo. J'en veux aussi à Taubira, qui a attendu la dernière minute pour nous rejoindre, qui a foutu le bordel, alors qu'elle aurait pu nous rejoindre il y a longtemps. Et j'en veux vraiment à Monsieur Roussel. Monsieur Roussel, je suis ch'ti comme vous. Et vous pensez que vous allez récupérer les voix des insoumis, mais vous rêvez. Jamais j'irai chez vous, jamais. Et on est des millions, on est plus de 350 000 sur les réseaux. Et on est 350 000 à soutenir la France insoumise. Et il y a un truc qui arrive, Monsieur Roussel, les législatives. On va vous toquer sur tous vos places. On va ramasser toutes les circonscriptions. On avait 17 députés et je vous assure qu'on va en avoir une centaine. Et si on a 100 parlementaires, on sera le groupe d'opposition le plus fort depuis 1981.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. La suite se joue législative. Mais bien sûr que ça joue, mais ça se joue tous les jours. Il y a aussi les législatives. Je tiens à dire une chose, il n'y aura pas une voix pour Marine Le Pen. Pas une. Vous m'entendez? On le dit du matin au soir. Donc arrêtez de dire que M. Mélenchon, il fait le jeu du Front National. C'est vous les journalistes qui faites le jeu du Front National. C'est vous. Il n'y aura aucune voix pour Marine. Aucune. Par contre, je n'irai jamais voter pour Macron. Jamais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller voter au deuxième tour. Je vais aller voter. Et dans l'enveloppe, je mettrai un bulletin de M. Mélenchon. Vous lui avez volé la victoire. Il m'a dit que j'aurais dû travailler après.